Et donc, salut à tous les amis, c'est Arvan. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre, sauf si vous savez déjà le faire, à créer une cape sur Minecraft. Donc, ce n'est pas exactement Minecraft, c'est sur le serveur TheCityCraft édité par Adrien2431, VenceGeek et Shtiny. Enfin, c'est surtout Adrien2431 et VenceGeek, parce que VenceGeek est le codeur, non. VenceGeek fait la texture des blocs et Adrien est le codeur. Donc c'est un bon savoir, je vous invite à rejoindre, il y aura un lien vers le forum dans la description. Alors, on repasse en fond normal, donc là vous voyez mon écran. Excusez-moi, le tapis de souris c'est un peu barré. Et donc, alors pour créer une cape, déjà il vous faut un logiciel assez puissant. Avec Paint, ça peut pas marcher, parce que Paint c'est de la merde tout simplement. Et donc vous pouvez télécharger Photofilter. Photofiltre, donc je ne mettrai pas le lien dans la description parce que c'est un craqué, enfin je crois. Bon, même si les Suisses, d'après Shinefire, ont le droit d'avoir des logiciels craqués, je crois que c'est plutôt une connerie qu'autre chose. Alors dans la description, vous aurez la cape modèle. Donc, moi elle est sur ce format là en fait, c'est moi qui l'ai créé. Donc, il faut savoir que les capes sur le serveur sont en forme de pavé rectangulaire. Donc en fait les côtés bleus sont les côtés de la cape, voilà. Et en bas il n'y a pas de truc, enfin je crois pas, voilà. Et le centre, ça c'est par exemple si vous voulez mettre la tête de votre skin comme cette cape là. Attendez, je vais vous montrer un peu. Ouh, j'ai des petits lags. Si vous mettez par exemple le cap Adrien, c'est une vieille cape ça, c'est celle que j'ai eu. Ah bon bah non. Bon bah ceci est un fail mes amis. Donc par exemple là c'est le cap modèle encore. Cap redstone, cap pour mettre un cap test. Je sais pas qu'est-ce que c'est cap test. Je crois que c'est celle d'Adrien. Enfin, l'ancienne d'Adrien. S'il te plaît. Ouais c'est bon. Donc la zone orange c'est l'endroit le plus approprié pour poser la tête de votre skin si vous voulez poser la tête de votre skin. Voilà. Donc on va regarder un peu toutes les capes que j'ai faites, puis après je vais vous expliquer. Donc ça c'est ma cape. Ouh, j'étais là, c'est chiant. Ça c'est ma cape, bon ça va. En fait, le seul problème sur cette cape c'est que les bords là, enfin ici et ici, ce sont sur les côtés, donc c'est un peu gênant. Bon, on va reprendre la cape modèle. Cape modèle. Et donc voilà, on a la cape modèle. Cette image, bon, ta gueule. Alors, avec la cape modèle, bon, celle-là vous l'aurez à télécharger dans la description. Alors, déjà, bah, vous pouvez mettre la tête de votre skin ici, ou sinon, bah, je vais vous montrer un peu les principes de. Ah, excusez-moi, photofiltre. Donc, alors, déjà, ici il y a une tablette de couleurs prédéfinie. On peut changer, hein. Moi je m'en fous, je fais celle-là, parce que c'est les couleurs de base, enfin les couleurs de base informatique. Après, donc là-dedans, on sélectionne automatiquement une couleur avec le petit outil. Et on peut en sélectionner une directement ici. Alors par exemple, si je fais clic droit sur le bleu, bah vous voyez dans la zone droite en haut, voilà. Et par exemple, si je prends le pinceau, que je fais clic droit, ça va mettre du comme ça, parce que ça va mettre la couleur qui est dans la case droite. Et si je fais clic gauche, la couleur qui est dans la case gauche. C'est aussi simple que ça en fait, c'est super cool. Et donc bah il y a aussi ça, donc ça par exemple ça c'est un pinceau à gros état, donc ça c'est déjà bon, je fais CTRL Z. Ça c'est pour attraper des zones. Bon, j'ai pas encore vraiment compris comment ça marchait. Ça c'est la baguette magique, donc la baguette magique ça prend une table de couleurs, donc et il faut la régler selon la tolérance en fait, selon les nuances de vert ou de rouge. Donc là par exemple, si je fais ça avec la baguette magique, ça va sélectionner toute la zone de blanc. Si je fais ça, voilà, sélection, parce que sélection, voilà. Et voilà, donc Paint plus ça fait ça en fait, ça fait des tailles en gros. Je vais faire CTRL Z parce que voilà. Et après il y a bah, c'est tout, c'est à peu près tout. Après bon, il y a ça. Ah non, bon, il n'y a pas ça en fait. Oui, je vais mettre ça, c'est les motifs en fait. Par exemple là je peux tailler, waouh, c'est trop beau.
Bon, un peu moins gros, on va faire un fer parce que. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Tous les liens utilisables, sont dans la description. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Cette vidéo est postée sur le forum, etc. Donc, au revoir.